La chaîne où on parle de tout. Et aujourd'hui, de quoi on parle? Du piano. Et comment ça, je vous avais pas dit que je jouais du piano? J'ai commencé le piano il y a un peu plus d'un an, à peu près maintenant. Et je dois dire que c'est super dur, super compliqué d'apprendre le piano. Et surtout, c'est super long. Franchement. La progression est extrêmement lente, il faut vraiment s'accrocher, croyez-moi, pour pas se décourager et pour continuer à prendre des cours et à apprendre et à progresser. C'est terrible, c'est terrible. Je crois que le plus dur encore, c'est comment dire, la désynchronisation des deux mains, main droite, main gauche. Quand on a la main gauche qui fait quelque chose et la main droite qui fait autre chose. Il joue une autre mélodie pour le cerveau, c'est terrible. Bon, bref. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est simplement de vous montrer de quoi on est capable, ou de quoi je suis capable de jouer au bout d'un an de cours de piano. Voilà. Donc, vous allez voir, ça se limite à pas grand-chose. J'ai juste choisi trois mélodies, simplement, pour vous montrer un petit peu quel niveau on se situe. Ça reste des musiques assez relativement basiques. Voilà, c'est parti pour la première musique. Voilà, donc vous l'aurez certainement reconnu. Donc c'est Il était une fois dans l'Ouest, enfin une des musiques de la bande originale du film Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, c'est très sympa à jouer, c'est lent, c'est assez mélodieux, moi j'aime bien. Je l'ai apprise là il n'y a pas très longtemps. Je commence, je la maîtrise juste ce qu'il faut. Autre musique, un petit boogie. Un boogie tout simple, ultra simple même je dirais. Il s'appelle d'ailleurs Boogie numéro 1. C'est parti. Ça, c'est une petite musique que j'aime bien, que j'aime beaucoup en fait. C'est super agréable à jouer, ça bouge un peu, ça swing. Franchement, j'adore. C'est très très simple, très simplifié, mais c'est un régal quand même. Enfin, à mon niveau, c'est un régal. Et enfin, une petite dernière, donc pour le fun, vous allez reconnaître tout de suite, c'est un air très très connu. Thank you.
Voilà, donc bien sûr, vous avez reconnu la mélodie. Peut-être que vous ne connaissez pas le titre. C'est une musique de film aussi. Le film, ça s'appelle L'Arnaque. Où le titre original, c'est The Entertainer. Et la musique, c'est tirée de. Enfin, a été écrite par Scott Joplin. Alors, bien sûr, quand j'ai pris des cours, enfin, quand j'ai commencé les cours, j'ai acheté un piano. Et mon fils, du coup, s'y est un petit peu amusé aussi. Alors, il n'a pas voulu prendre de cours. Il a préféré comme ça pianoter directement sur le piano, regarder des tutos sur Internet, sur YouTube par exemple, et s'amuser comme ça, peut-être à rejouer ce que moi j'avais appris et ce que je lui ai réexpliqué un petit peu derrière. Bon. Mais bon, ceci dit, je débrouille pas trop mal. Regardez d'ailleurs. J'espère que vous avez aimé. Voilà de quoi donc on est capable au bout d'un an de piano. Je peux vous dire qu'il y a encore du boulot. Je pense qu'il faut bien au minimum 3 ans de piano avant d'être capable de commencer à jouer des trucs un petit peu costaud, un petit peu sympa ou un peu complexe. Voilà, bien. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si jamais dans les commentaires. Lâchez un petit pouce hein, vers bleu, vers le haut de préférence si vous avez aimé, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!